C'est le papa. Tu es tout à l'aise. Yes. Regardez Abraham. Des nations sortiront de toi. Des peuples sortiront de toi. La prophétie même ne concerne même pas Abraham. La prophétie s'adresse directement à Jacob. Parce que Jacob va sortir 12 tribus, 12 nations, 12 peuples différents. Et Isaac va sortir le dépôt de la prophétie. Qui est quoi? Isaac et comment on appelle? Esaü et Jacob. Donc déjà, à la base, on a deux nations. Quand elle va consulter Dieu, une nation, l'autre sera plus forte que l'autre, l'autre sera plus grande que l'autre. Le plus petit assujera le plus grand. Le plus grand assujera le plus petit. Donc déjà, il est question de deux nations. Là, on ne parle pas encore même de la nation d'Abraham. Le processus se poursuit. Israël aujourd'hui, toutes leurs prières ont fait référence à Abraham. Moïse n'a pas peuplé le peuple juif. Mais Abraham, la promesse n'était pas morte. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. La promesse ne peut pas mourir. J'ai dit la promesse ne peut pas mourir. La promesse ne peut pas mourir. La promesse ne peut pas mourir. Tu t'inquiètes pourquoi? Regardez le passage que nous venons de lire. Abraham et David, après avoir fait les guerres, où il est victorieux? Il est puissant. Parce que, je vous dis une chose que vous ne savez pas. Avant de faire asseoir quelqu'un, il faut t'asseoir. Amen. Quand tu n'as pas de tabouret, ne dis pas non, il y a la place chez moi. Ils n'ont pas compris. Oui, yes. Quand tu n'as pas d'établi chez toi, ne dis pas que je suis prêt. Lorsque tu as des racines, quand tu es indéracinable, tu peux appeler quiconque. Amen. Parce que là où tu viens, aucune adversité ne te tiendra tête. Amen. Même si on te coupe, tu es là, tu vas repousser, tu vas repousser. Mais tu n'as même pas encore fait des racines, tu dis venez manger. Joseph, lorsqu'il s'en va en Égypte, il perçoit leur force et leur faiblesse. Il est même le cœur du roi en sa faveur. Quand tout est prêt, ses frères viennent, il dit venez. Yes. Mais il ne va pas les accueillir simplement. Yes. En ce temps, c'était les voitures les plus chères qui montent à Jacob. Jacob est l'homme d'alliance. Lorsqu'il voit les chars que son fils lui présente, on dit son esprit s'est réanimé. En d'autres versions, c'est-à-dire, Jacob vivait, mais il était mort. Jacob vivait, mais il était mort. Il y a des gens qui vivent, ils sont morts. Il n'y a plus rien d'eux. Ils sont vides. C'est-à-dire, aucune, la petite situation le fait tomber. Mais il y a des gens, malgré qu'ils sont courbés, ils sont forts.